Bonjour, vous êtes à bord du bateau Sodebo. Ça fait déjà 3 jours que je suis parti de Ouessant. Après un départ musclé comme on s'y attendait, après avoir digéré l'émotion du départ, c'est vrai que c'était particulièrement émouvant. Je ne sais pas si c'était dû au froid glacial, au quai qui était givré et gelé. Mais c'est vrai que j'ai ressenti cette émotion jusque tard dans la nuit, et après avoir vu descendre et disparaître le fort de Créache dans l'horizon, le phare de Ouessant. On savait que ça allait être un début de record musclé puisqu'on l'avait choisi, mais à ce point-là, je ne pensais pas. On a fait une belle trajectoire, mais au fruit de pas mal d'efforts, et donc ça m'a obligé de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et dans le bain. Et au bout de 3 jours, eh bien, on est déjà passé Madère et on est au large des Canaries. Et ouais, déjà aux Canaries. Donc de l'hiver polaire, on a enlevé tout l'attirail. Je suis en t-shirt. Nickel, il fait super beau. Par contre, le vent est en train de tomber très très vite. Mais bon, c'est que le début d'une superbe aventure. Et jusqu'à présent, j'avoue que ça m'a pris les tripes et je pense que c'est pas fini. J'ai un petit message personnel. La cup of tea n'est pas sous l'évier. Je répète, la cup of tea n'est pas